Our love was strong as a lion, soft as the cotton you lie in. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken, we were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. You were my September song, summer lasted too long. Time was so slow. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve sur Funcraft en 1.9.4 avec des modes 1.7. Comment c'est possible? Les modes du chillbreaker. Alors oui, c'est, j'utilise... Oh, cancer, j'allais déjà prendre le, mon truc. J'utilise un mode qui s'appelle le hype mode. Si vous voulez, c'est un remake de tous les modes du chillbreaker en 1.9. Et ça va être beaucoup beaucoup plus stylé. C'est toujours en bêta, je suis le seul à avoir le mode pour l'instant en youtubeur. Il m'a autorisé à faire une vidéo dessus avant la rentrée. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. J'ai le droit de le release à une seule condition, c'est qu'on fait plus de 200 likes. Ce qui est que je pense pas qu'on va réussir à faire, sauf si cette vidéo fonctionne vraiment. Mais si jamais vous réussissez, bon, par contre je lag un peu, si jamais vous réussissez à faire 200 likes, je peux release le mode et la dernière version du mode. La dernière version du mode qui sera disponible. Donc voilà, je suis pas chaud du tout hein, pour PP, donc c'est normal si je fais de la merde. Ah, oh, je suis mort tout seul. Donc les trucs, donc il y a le Keystroke Mode V4 là qu'on peut voir, donc multicolore, enfin toute cette merde là. CPS Mode, FPS Mode au-dessus du scoreboard, donc on peut tout bouger hein, donc FPS Mode si on veut le mettre en haut là, enfin là, on peut mettre là si on veut, boum, il est là. On peut changer la couleur de tout, donc si par exemple si on veut mettre par exemple color en black, bon là on voit pas du coup, si on veut mettre en dark blue, voilà, et quand on appuie ça fait ça, ça met du de la quoi, regardez ça là, on peut tout custom quoi, c'est super stylé. Donc moi je vais remettre rainbow, donc voilà. Mais et l'autre truc qui n'existe pas en 1.9, c'est ça. Regardez ça. On peut bouger tout autour de notre tête, comme dans le chillbreaker. Et oula, par contre, c'est très 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 compliqué. Je vais enlever ça parce que je vais payer là. Mais c'est super stylé. Quand vous voulez regarder derrière vous à la place de faire W5, il y a aussi une touche X pour regarder derrière vous. Mais il y a une façon encore plus stylée, si je t'appuie sur K et là vous voyez tout autour de vous, comme ça, c'est super stylé. Qu'est-ce qui est nul, MG? Allez, bye! Hein? Oula! Qu'est-ce qu'ils sont nuls? C'est ma première partie! Donc. Hop. Gros noob! Merci! Donc. Bon, ils ont pété les ponts, hein, donc il n'y a plus de respect maintenant dans la game. Hop là, ah, unique brasse. Oh merde. Moi, je fais pas beaucoup de CPS, je fais maximum 6 CPS, 5 CPS, donc c'est pas énorme. Je suis pas un joueur pro, moi. Mais bon, franchement, ça m'a fait kiffer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la sortie du chillbreaker. Mais il sera seulement en 1.7. Donc, les gens qui veulent avoir les fonctionnalités du chillbreaker
Et en 1.9, je conseille de suivre le Twitter Hypenio de mon pote qui fait le mod. Parce que ça s'appelle Hypemod Hypenio. Et donc suivez son Twitter pour avoir plus d'informations. Le Twitter sera en information en description si vous voulez. Et toutes les informations concernant le mod. Et tous les releases et tout ça, le site et tout. Franchement, c'est un bel avenir derrière, je pense. Donc voilà. Je suis tout seul ou quoi? Ah ouais. Putain, il veut attendre son pote, il est casse-couille. Allez, cancer! Voilà. Oh, je lag, non, je lag!